Et les gamers et les gameuses, comment ça va aujourd'hui? Je dis pas ce soir, ni l'après-midi, parce que c'est aujourd'hui, voilà. Je voulais faire la batte un petit peu avant la vidéo, mais je me dis, autant la faire aujourd'hui. Bien sûr, le compte que vous voyez n'est pas le mien, hein. Je n'ai pas encore le skin, comme vous tous. Je l'ai le même jour que vous. Je ne travaille pas pour Epic Games. J'aimerais bien, j'avoue que ce serait vraiment sympa, parce que j'ai toujours plein d'idées pour leur donner. Et je pense qu'on est des milliers de joueurs qui auraient envie de travailler pour eux, ou avec eux en association, parce que voilà, on a tous plein d'idées différentes, plein de concepts, et franchement, enfin bref, soit-il, on n'est pas là pour ça, on est là pour parler des 6 Halloween qui sont déjà sortis, comme vous avez vu en début de semaine, comme je vous avais dit, plus les skills qui vont sortir, les nouvelles danses qui vont sortir, bref, c'est vraiment, vraiment ouf. Donc, premièrement, bon, vous avez sûrement dû voir le skins qui est sorti aujourd'hui en boutique que j'ai mis dans la vidéo précédente, que vous allez voir. La vidéo précédente, tout simplement, que j'ai mis la vidéo, pour ceux qui n'ont pas été voir la boutique directement. Il y a le skins, donc Follet, bon ça se prononce comme ça. C'est un skins que, voilà, bon ils auraient pu trouver un autre nom, je trouve que le nom est un peu bizarre, mais enfin bon. C'est un skins Halloween avec une citrouille, comme vous avez dit, avec des flammes dans les yeux, etc, etc. Mais il n'a pas à dire, mais il est plutôt pas mal. Moi j'ai hésité à l'acheter au début, parce que voilà, il y a quand même deux skins qui vont sortir bientôt, qui sont vraiment bien aussi. Et je me suis dit, oh... Et finalement, je l'ai fini à mon prix. J'ai même pris la pioche avec. Parce que la pioche, je n'ai pas des pioches comme ça en métal. Je me suis dit, autant prendre une pioche un peu différente de celle que j'ai déjà. Dans... Je n'ai pas beaucoup de pioches, mais j'en ai quelques-unes. Bref, sur ce, on va regarder donc la petite vidéo des nouvelles danses qui va sortir après aussi. Parce que voilà, ce skins-là sortira donc demain. Ce sera demain, on sera dimanche, le 15, si je ne me trompe pas. Je sais plus que les dates des fois. Enfin, bref, ça sortira tout dimanche. Normalement, dimanche soir, il sortira en boutique. Ou plus tard lundi, mais de toute façon, ça va bientôt. Bon, généralement, les skins sortent en Amérique, enfin, en Estreinte en Amérique, un petit peu avant nous. Un ou deux jours, pas plus. Ça dépend s'ils sont deux jours ou un jour, les skins en boutique, enfin voilà. Et du coup, eux, l'ont toujours un petit peu avant. Ce qui fait nous, on peut avoir un aperçu de la gameplay ou du moins en boutique. Parce que des fois, ils l'ont, mais ils ne peuvent pas jouer avec tout de suite. Enfin, c'est bizarre, enfin bref. Donc, ce sera le skins qui aura une cape avec, comme vous pouvez voir, la petite cape qui a du orange derrière et tout. Pas trop mal. Bon, c'est avec le skin, de toute façon, donc voilà. Vous aurez également 4 nouvelles danses. Une qui est sortie hier, qui est en action, qui est d'ailleurs le vert, qui est exactement sur le gameplay que vous voyez. De toute façon, vous verrez l'extrait, je vous montrerai les 4 extraits. Donc, le premier, écoutez bien et regardez la vidéo, parce que c'est une danse que je vais sûrement acheter, que je vous ai sûrement parlé d'ailleurs plusieurs fois dans les vidéos, où j'ai parlé d'une danse qui s'appelle Etro Swing, et c'est pratiquement le même nom en anglais qu'en français. Du coup, c'est parti. Voilà, c'était le petit extrait de danse. Bien sûr, elle dure que 24 secondes parce qu'on peut pas non plus mettre pendant 3 heures la danse. Mais qu'est-ce que vous en pensez de cette première danse déjà? La première danse déjà, bah elle me donne envie de l'acheter. Parce que quand je l'ai vue il y a déjà une semaine de ça, que j'ai déjà vu cette danse en extrait, et je me suis dit celle-ci me la faut. Donc quoi qu'il arrive, je ferai que celle-là. Je n'achèterai pas d'autres danses. Devant les danses qui sont déjà sorties il y a longtemps et que j'aimais bien, bah j'aime moins maintenant parce que faut vraiment qu'elle soit unique cette danse, faut pas qu'elle ressemble trop à une autre danse, et puis tout le monde là, en fait, c'est une vieille danse. Alors que celle-ci, voilà. En plus, c'est des danses rares, hein, qui vont coûter 500, toutes ces danses qui vont sortir, vont sortir coûter 500. Ça veut dire que les 3 danses vont coûter 1500. Eh, franchement, c'est pas très cher. Autrement, des danses qui coûtent 800, ou... etc. Celle de en vert, elle coûte 200 V-Bucks, hein, comme vous pouvez savoir. Et chaque fois, les skills sont tel prix, selon leur caractère, etc. Voilà, c'est simple. Les verts, c'est 800 pour les skins. Pour les skins bleus, donc les skins rares, 6200. Pour les skins épiques, 1500. Et pour les légendaires, on sait tout ce qui c'est 2000. Alors, ça les attend pareil pour les danses. Les verts, les danses atypiques, je suis arrivé. C'est donc vert, donc ça a 200 V-Bucks. Pour les bleus, c'est à 500 V-Bucks. Pour les couleurs épiques, du coup. Ah, par contre, j'ai jamais vu de lance couleur légendaire. Mais couleur donc épique, c'est à 800. Mais il n'y a aucune danse légendaire, bizarrement. C'est vrai que j'ai jamais vu de danse légendaire. Mais à la vie, beaucoup de joueurs, là, ne va pas acheter une danse à 1000.
Mais bah, c'est quand même. C'est 10 euros la danse, c'est quand même cher. Hein. Déjà, 800 V-Bucks, c'est déjà le prix, voilà, raisonnable, je trouve. Du coup, on va regarder la deuxième danse. C'est parti, vous êtes prêts? Je vais reculer. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième danse? Let's go. Pour les fans de rock'n'roll, cette danse-là, voilà. Moi, j'aime bien, mais je suis pas non plus fanatique de rock'n'roll, mais elle est pas mal, hein. Mais après, là, j'ai pas que ça à acheter. Voilà, elle est courte, elle dure 19 secondes, mais c'est un extrait, voilà, bon. Donc, vous me direz dans les commentaires et tout. Vous commentez sur Twitter, sur ma chaîne YouTube, en l'occurrence, c'est là que je vis. Mais sur Twitter, pour ceux qui me suivent, je sais beaucoup qui commentent souvent ou partagent mes trucs, du coup. Voilà, commentez, laissez des messages, dites-moi laquelle danse pour l'instant des deux ou que vous aimez. Ensuite, il y aura la troisième. La quatrième, vous l'avez vue hier, mais bon, certains n'ont peut-être pas vu parce qu'ils n'ont pas été là au shop, peut-être pas en gameplay ou autre, ou ils n'ont pas pu jouer, ou ils n'ont peut-être pas vu. Mais voilà, il y a des threads de toute façon de la boutique de hier. Tous les jours, je publie la boutique. Tout le temps, entre 2h et 4h du matin, tout dépend à l'heure que j'ai le temps de la publier. Parce que je la fais toujours à 2h environ. Mais des fois, je suis en plein gameplay où je ne peux pas publier en même temps. En fait. Sinon, je suis obligé d'enlever le jeu. Enfin, c'est compliqué. Du coup, voilà. Sur ce, je vais arrêter de me parler. Et on va regarder la troisième danse. Elle est vraiment bien aussi. Moi, j'aime bien la troisième danse. Donc, la première et la troisième danse, c'est mes préférées. Les quatre danses qui sont sorties là. Vous voulez voir la troisième danse? Attention. Voici la troisième danse que je vous ai parlé. Elle est pas trop mal non plus, je trouve, franchement. Dites-moi dans les commentaires. Franchement, la première, c'est la plus dingue des quatre. C'est celle vraiment que je vais acheter absolument. Après, la deuxième, elle est pas mal, mais je suis pas. Voilà, il y a plus, enfin, d'être que ça. La troisième, elle est pas mal non plus. Elle a un petit côté, voilà, rythmé. La quatrième, c'est plutôt une action. Je fais ça pas une danse, moi. Moi, c'est une sorte d'action. J'ai vu certains l'avaient acheté. J'ai vu certains l'avaient acheté, mais c'est pas trop mon tas. Bon, je vous montre quand même la quatrième danse, même si beaucoup l'ont déjà. Si on m'a vu au gameplay, ou non, déjà l'avoir acheté, ou même qu'ils l'ont vu la boutique. Mais je vais quand même vous la montrer. C'est parti. Voici la quatrième action que je pense que tout le monde l'a déjà vue. Mais on va quand même vous la montrer. Je vais quand même vous la montrer parce que là. Voilà. Ah bah. Elle est venue plus. Attendez, on remet à zéro. Voilà. Bah, c'était une action du genre tadam. Vous savez, comme dans les films. Surprise. Ah voilà. C'est une action plus qu'une danse. Hein, donc voilà. Sur les quatre trucs qui se vont sortir. Celle-ci est déjà sortie. La danse atypique actuellement dans vous. Les trois autres vont sortir bientôt aussi. Ne vous inquiétez pas. J'espère que celle de Electro Chewing va sortir en premier. J'attends impatiemment cette danse-là, mais vraiment. Après les autres, voilà. J'aime bien, mais sont pas prioritaires pour ma part. Il y a des skins qui vont sortir, ils sont pas trop mal. Il y en a certains qu'on n'a pas encore découvert à quoi ils ressemblaient. Mais rien, le nom, t'as envie de l'acheter. Bon, faut pas tout acheter, c'est vrai que voilà, l'argent tombe pas du ciel. Mais j'avoue que c'est toujours trop tentant, hein, les skins, ça, quand c'est un truc nouveau. Surtout quand je le vois toujours avant, qu'il passe en boutique, etc. Du coup, j'ai pas tant préparé. Voilà, j'ai tant de me mettre en tête ce que je le veux. Alors que les autres qui l'ont vu à l'instant présent en boutique, bah, ils sont genre pas préparés du tout à ça. Du coup, ils savent pas s'ils prennent ou pas. Moi, je sais les skins qui vont sortir bientôt. Et j'avoue que j'ai toujours hâte de sortir qui sort, du coup. Du coup, voilà. C'est tout pour l'instant pour ce petit passage-là de ce skin. Il y a aussi, bah, vous avez les danses, du coup, qui vont sortir bientôt. Il y a aussi le nouveau planeur. On sait pas trop encore quelle impression qu'il aura, mais j'ai une vague idée des planeurs en question. Je pense qu'il va, on va avoir peut-être un planeur avec lui. C'est pas sûr parce que on a des planeurs en fait dans le truc, mais le problème c'est que bah, je sais pas s'ils vont avec les skins ici. On verra. Hein. Et vous savez, le skin que je vous ai parlé souvent, là, qui a la tenue qu'on l'appelait le K-pop là. Apparemment, il a maintenant un nom. Mais bon, on sait pas si c'est lui ou pas. Parce qu'il n'a pas de photo et c'est fait exprès. Car Epic Games maintenant cache les photos avant vraiment qu'il soit officialisé dans la boutique, etc. Ou qu'il soit 2-3 jours avant la boutique qui se met en ligne. Enfin, bref.
Du coup, on verra pas avant la semaine prochaine sûrement. Et vu qu'il est marqué, juste le nom, et que c'est marqué en anglais et le nom parle en français, donc je présume qu'on va attendre un petit peu. Soyez patients, il y aura aussi la semaine prochaine des skins. Du moins un nouveau skin la semaine prochaine avant la mise à jour. Il y aura aussi des planeurs, il y aura. Il me semble qu'il y a aussi encore une nouvelle pioche. Il me semble qu'il y aura encore une pioche. Normalement, il y avait trois pioches nouvelles, à moins que j'ai pas compté. Et la salle de skins que vous avez vue. Ah moi, non, ça fait déjà trois en fait. Le skin squelette, il y avait une nouvelle. Il y avait le skin celui de Fléau et. Pet, excusez-moi, Pet. Et celui-ci, l'autre qui sortira lui là. Il y en a une aussi. Donc, non, les trois sont sortis. Non, bah, il reste plus de planeur du coup. Voilà, donc je vais arrêter ce petit passage vidéo. Et on va continuer avec la suite tout à l'heure. Je vais essayer de vous mettre une bonne vidéo. Voilà, pas trop non plus longue parce que voilà. Sinon après ça va faire trop long pour vous. J'essaie de pas faire trop plus de 10 minutes, mais des fois je parle, je me rends pas compte que ça fait déjà 10 minutes. C'est que j'essaye de me mettre toutes les informations possibles dans la vidéo pour que voilà, c'est pour éviter de faire 10 000 vidéos différentes. Surtout que bon, c'est bien avoir 10 000 vidéos différentes, mais bon, des fois ça fait un peu trop et parler la même chose ça sert pas à grand chose. Du coup, voilà. Et aussi le skin zombie, vous savez, la boule, quand tout le monde appelle ça la boule. Bah peut-être revenir, on ne sait pas parce que disons que il y a plus des photos, etc. Et peut-être qu'il reviendra, on n'est pas sûr. Il y aura aussi une version homme comme les skins justement. Donc la semaine prochaine, attendez-vous peut-être à la fin de la semaine prochaine, peut-être avoir peut-être de nouveaux retours de elle aussi. On ne sait pas encore pour l'instant, c'est juste des rumeurs. Sur ce, je vous laisse cette petite fin là et je vous dis bonne journée ou bonne soirée et à plus tard pour la boutique. Peace.